Bloody! Qu'est-ce que tu racontes de Bob Follet? Alors, tu t'es bien remis de ce dévorage de doigts, donc hier, le clown qui t'a coupé le doigt et qui te l'a dévoré sur DBD? Tu t'en es bien remis, ça va? Ah, la game était trop drôle hier, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on fait des games ensemble, je sais pas pourquoi on tombe sur un clown qui veut te couper les doigts, c'est dingue, hein. C'est un truc de malade, hein. Marqué Bootski Sony, ça y est, le mec fait ah, si je vais prendre un clown, je vais lui couper les doigts, lui. Ouais. On va lui bouffer les doigts, celui-là. C'est incroyable, tu te fais tunnel, Mori. C'est choquant. Ah. Un de plus, un de moins, je suis plus à sa près. Oui. C'est une scène. Putain, je te jure. Du coup, il m'oriente à un endroit où je suis déjà allé, tu sais. Ça a pas d'être, ça a pas vraiment l'air d'être sous l'eau en fait, ça, là, ce que la zone où tu m'emmènes là, non? Ouais, quoique si, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau, ok. Donc j'ai peut-être pas vu cette zone, ouais. Le Snow Fox, il fait quoi de beau? C'est une moto. C'est une moto de neige. Merci pour le follow, Hydro, bienvenue à toi. On se rapproche? Elle est déjà venue ici, hein. Ok, vas-y, tu sais quoi, on peut pas aller plus loin. On va faire une petite répa avant de sortir. Enfin, avant de s'en aller. Ah oui, on n'a pas fouillé ici, c'est vrai. Mais oui, non mais oui. C'est ce que je disais la dernière fois en fait. On avait fouillé en fait, on est passé du coup par-dessus le pont. On a fouillé la zone où il y a le verre. Par contre, ce secteur-là, on l'a pas fouillé, exact. Ah putain, c'est mon ombre qui me... Non mais c'est mon ombre qui me fait peur. Non mais sans déconner, mais Varg, mais... C'est incroyable, sans déconner. Si t'as peur de ton ombre alors, mais... Que va-t-il se passer, hein? Ça m'a tué. Et si t'as tué? C'est moi qui ai eu peur, ça t'a fait... Ça t'a tué. Non, arrête. Je suis en train de te moquer, là. Tu te moques de moi, c'est pas gentil. Dans la VOD, tu voulais fouiller la zone et t'as pas regardé... Mais c'est oui, mais oui. J'ai dit, oh, on va venir ici après, sur en bas, c'est pas grave. Bah ouais, j'ai pas fouillé. Générateur d'énergie. New technology acquired. Oh, nouvelle technologie. Module de téléportation. De l'aquatracteur. Ah, outil de rapatriement. What the fuck, je peux me téléporter. Mais c'est trop bien. Est-ce qu'elle indique que cette gamme de matériaux extraterrestres sert à accumuler des mégajoules, d'énergie pour les libérer rapidement. Qui est chargé par les cubes ioniques qu'elle contient. Ces super condensateurs peuvent être utilisés pour uniformiser les paires d'alimentation transitoires au sein des conduits reliant les sites architectes entre eux. Ouais, d'accord, Traducteur? Y a-t-il un traducteur dans la salle? En gros, je peux me TP, c'est ça? Je vais pouvoir me téléporter? Ouais, je vais pouvoir me téléporter. Attends, mais par contre, je peux crafter un autre truc là. Mais en fait, bah, c'est pas ça que je voulais. Je voulais les tissus de l'architecte, putain! Le nom de Dieu!
sais. Alors, attends. Au niveau des modules, direction les modules. Module de téléportation de l'aquatracteur. Module de l'aquatracteur qui permet de se servir des points de téléportation une fois synchronisé avec un outil de rapatriement. Très bien. Et l'outil de rapatriement, où est-il? Outil de rapatriement. Vous téléporte vers un module de téléportation de l'aquatracteur à proximité. C'est abusé. Téléporte près d'un module de téléportation de l'aquatracteur à proximité. Donc en gros, je mets un truc comme ça, je le largue quelque part, je peux me téléporter un peu où je veux en fait, c'est ça. D'un point de téléportation une fois synchronisé avec l'outil de rapatriement. Ah, d'un point de téléportation. Et les points de téléportation... Faudra le craft une fois de plus, ce sera plus simple du coup. On craftera et on verra du coup ce qu'on peut en faire. Le truc c'est que t'as ça à la fin du jeu, donc, enfin, je pense que je me rapproche un petit peu de la fin du jeu quand même. Et quoique c'est pas sûr. En gros, tu es le démo lardon sur Subnautica. Ah oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, tu as raison. En gros, je peux faire des terriers et me téléporter. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est la première chose que j'ai cherché avant de partir explorer sur Terre pour faire des allers-retours facilement. Pour ta deuxième partie, sache que j'ai 156 morceaux de Distène. 156 ? Attends, mais tu comptes faire une maison en Distène ou quoi? Tu as essayé le module lit? Non, mais c'est juste pour dormir, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas extraordinaire, quoi, tu dors, hein? Autant mettre un module de stockage supplémentaire, hein? Non? Oh, dis donc! Attendez. Est-ce qu'on aurait trouvé un spot pour farmer du quartz? Il y a quand même beaucoup dans la zone. Hein. Ça n'a pas marché, ça, Réchaud. Je suis désolé. Sans regarder l'écran, je sais que c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est vrai. Bon courage pour la recherche de taf. CSGO, c'est nul. 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 Comment ça, c'est nul CSGO? C'est pas nul, c'est très bien CSGO. Tu es en train d'énerver Bloody. Après, il va péter un câble. M'énervez pas Bloody s'il vous plaît, hein. Non mais oh. Salut Olia. Salut à toi, ça roule et toi? Comment vas-tu? Je suis en train d'analyser la zone, les amis, je suis désolé, je regarde s'il y a vraiment beaucoup de quartz ici. Il y a l'air d'y en avoir, mais pas non plus tant que ça. Attends. Gros gisement de quartz, cool. Nickel. Encore un gros gisement de quartz. Encore un gros gisement de quartz. Vache, ah oui, c'est worse. Ok. Là, je crois qu'on a trouvé une zone. Encore un... Ouais, vas-y, c'est bon. C'est une très bonne zone pour farmer du quartz. Ok. Je vais planter une balise ici. Et je vais l'appeler du coup le spot farm quartz. Ça pourrait être utile en vrai. Si tu veux faire une grosse base en mode survie. Tu veux te faire une grosse base en mode survie ici. Sur pilote 0. T'es obligé de récupérer du quartz à gogo si tu, par exemple, je sais pas moi, tu veux avoir du coup plein de... Tu veux avoir du coup plein de... Putain, comment on appelle ça déjà? Attendez. Je perds mes mots, nom de Dieu, mais c'est pas vrai.
C'est l'âge qui fait ça, hein. Passer les 30 ans, c'est rien ne va plus, hein. Tout fout le camp, c'est le bordel. Compartiment vert! Voilà, un putain de compartiment vert. Tu veux faire des compartiments verts, des dômes verts pour la salle multifonction, etc. Ou même un observatoire, il va te falloir beaucoup, 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 beaucoup de quartz. Et je dis ça parce que bah, sur ma première partie Subnautica, hein, comme vous le verrez dans une prochaine vidéo d'ailleurs, on l'a fait sur Twitch, mais on le mettra aussi sur YouTube. Ce sera une surprise sur YouTube. Ben, il y a du coup, on a fait donc une base avec beaucoup, beaucoup. On avait besoin de beaucoup de quartz. Parce qu'on a fait énormément de compartiments verts, on a fait beaucoup de fenêtres, histoire qu'on ait ben, une vue incroyable. Allez, on va se dépêcher de planter ça avant que toutes les méduses viennent nous dévorer. C'est quoi? C'est quartz? Oh la vache. Allez, on va dire que c'est quartz, voilà. Tout va bien. Eh ben, c'est mon clavier qui est en anglais, désolé. Oh putain! Oh putain, vite, on se dépêche! C'est le bordel! Il est au bon! T'es là-bas, tout va bien. En fait, j'ai trop l'habitude d'être plus en profondeur. Là, c'était la petite panique, mais ça va, on était finalement... Ça va, on était à 56 mètres de profondeur, donc tout va bien. Donc, ça, c'est du coup la balise de la zone du quartz. Ça va, on arrive à comprendre qu'il y a marqué quartz. Putain, à l'aide. Oh merde. Oh merde, c'est pas vrai. Imhotep, je voulais savoir, Amanda et Jess, vous avez vu où se trouve ma capsule de survie, les amis? Vous avez vu où elle se trouve? Est-ce que votre capsule de survie se trouve au même endroit ou pas? À peu près, hein, à peu près. On n'est pas à 3 mètres près, vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'elle se situe du coup plus ou moins au même endroit? Au même endroit que tout le monde. Ok, ça c'est cool, c'est bon à savoir parce que... Sur le premier Subnautica, en fait, ta capsule de survie, elle est pas au même endroit à chaque fois. Hein. Moi, j'avais des moments où je me trouvais très près du biome, tu sais, avec de la vigne d'Orin. Des fois, je me trouvais en plein milieu, du coup, du biome safe. Donc, c'était vraiment aléatoire par rapport à ça. Et ça, je trouve ça intéressant, justement. Très beau nom de badis, je trouve. Merci, t'as rendu le bleu. Oui, t'as vu. Tu peux être bienvenu à l'aspiration. C'est à cause du QWERTY, hein. Dès que j'appuie sur A, ça me fait un W, non ça fait un Q. J'appuie sur A, ça fait un Q, j'appuie sur W, ça fait un Z, c'est le bordel. Du coup j'ai capitulé, j'ai abandonné. Salut Krikidou, j'espère que tu vas bien. Vu la peur de Varg ou cri de Jess, on pourrait déduire que Varg a peur de Jess. Non en fait, j'ai peur du cri de Jess quand elle voit un creeper, mais après ça va. Quand elle voit Léviathan, c'est plutôt drôle. Quand elle voit un creeper, ça fait peur, ça va. Après c'est normal, le creeper fait peur. Surtout quand t'as farmé du coup dans une mine pendant une heure, hein, que tu t'exposes à la tronche, que tu perds tout dans la lave, là ça fout les boules. C'est triste. D'où la peur du creeper. T'as bien versé, tu connais? Ah oui, c'est un enfer. Hein. Ah, c'est pour se déplacer, c'est cool, mais dès que tu veux écrire quelque chose, c'est un enfer. Bon, eh bien écoutez les amis, on va faire ces téléporteurs, hein. Comment peut-on faire ce fameux module? Welcome aboard, Captain. Merci. Ok, ça c'est cool. Une découverte incroyable. Donc... D'ailleurs, je peux pas mettre plus de modules sur mon véhicule? Ça aurait été cool. Module de stockage pour le prone. Torpille. Accélérateur pour la contracteur, amélioration de la puissance pour la contracteur, profondeur pour la contracteur. Il n'y a pas un truc genre, je sais pas moi, comme dans le premier Subnautica avec le Simote, une espèce de bouclier électrique qui te permet du coup de repousser les créatures. Ça aurait été cool. Il n'y a pas. Dommage. Et il faudrait qu'on fasse une batterie ionique à haute capacité, ça pourrait être cool en vrai. Ouais, on va faire ça, tiens.
Salade de fruits épicés. Ah bon? On peut se faire une petite salade maintenant. Une salade étonnamment délicieuse aux propriétés réchauffantes. D'accord. Outil de rapatriement. Vous téléporte vers le module de téléportation de l'aquatracteur à proximité. Ok. Module de téléportation de l'aquatracteur. Ça aussi. Et on a du boulot là. On a du boulot. On va faire une petite pause de... Une petite minute les amis, je reviens tout de suite. Petite pause éclair. Oui, de retour. Oui, de retour les amis. Impec, tout est bien connecté, c'est bon, vous m'entendez bien. Impec. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a plein de trucs à craft là, nom de Dieu. Ce qui est cool, c'est qu'on a plein de compos, donc on va pouvoir se faire plaisir. Donc déjà, pour commencer... On va faire 2 piles ioniques. 4 piles ioniques. Ok, combien de cubes il me faut? Zerkos! Zerkos qui reste pour son deuxième mois. Merci pour ton SM, Paulet. Merci pour le soutien. J'espère que tu vas bien. 2, 3, 4. 5, c'est pas bon. Voilà, et du lithium. Voilà, ça marche. On peut faire donc nos 2 piles. Nos 4 piles, pardon. Il faudra un kit de câblage supplémentaire. Deuxième kit de câblage. Des graines de Vindorin qui traînent là depuis le début du jeu qui font plaisir, on va pouvoir les utiliser, ça y est. On va pouvoir faire donc caoutchouc en silicone avec. Jackpot. Et donc on peut faire nos 2 batteries ioniques. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Tu as oublié d'éteindre les musiques. Oui, j'avais. Ah oui, oui, effectivement, j'ai mis la musique de Subnautica, mais d'ailleurs, j'ai laissé la musique en même temps, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis de jetbox, tiens. Donc, 2 batteries. 2 batteries. Pour le prone, c'est pas forcément utile. Par contre, pour ce véhicule-là, ouais, ça va être worth, ça va faire plaisir. Ah voilà, on va être tranquille un petit moment. Tac, parfait. Donc ça c'est réglé. Maintenant il nous faut donc 2 de titane, 1 de caoutchouc. Un cube ionique. J'ai quasiment pas utilisé de cube ionique de la game, mais j'en ai déjà presque plus quoi. Il faut faire attention, hein. On en aura peut-être besoin plus tard. Donc prudence quand même pour ça. On peut faire l'outil de rapatriement. Il faut combien? L'outil de rapatriement permet de voyager instantanément vers un module de téléportation d'un contracteur synchronisé. Cube ionique, c'est trop bien. Je vais pouvoir me téléporter au jeu en fait. J'ai juste à larguer donc ce module de téléportation d'un contracteur dans une zone n'importe où en fait. Et après donc je peux m'y téléporter, c'est trop worse en vrai, c'est trop cool. Du coup si j'en installe là par exemple, je sais pas moi, dans la... J'en installe là par exemple dans une... Dans la caverne par exemple du Léviathan tout en bas, je pourrais m'y téléporter plus tard, voilà, c'est trop cool. Donc, il faut d'aérogel, 2 aérogels,
lingots de plasticier, un kit de câblage avancé. Ça marche. On va commencer par faire du coup 3 kits de câblage avancé. Alors c'est en bas du coup pour ça. Voilà, du coup on a nos 3 kits de câblage déjà pour commencer. On a nos 3 fils de cuivre, nickel. On fait les 3 circuits intégrés, on les combine et on a nos 3 kits de câblage avancés. Parfait. Bon, on fait combien déjà? J'en ai fait que 2, pardon. Sûr? Ouais, 2. On en fait un troisième? J'ai vu. On t'a dit pour la grosse métiste. Oui, j'ai vu la grosse métiste. Salut, petite Jert, tu vas bien? Elle est impressionnante, hein, cette grosse métiste, t'as vu, hein? Attendez, le module il a disparu. Trop bizarre. Attends, on va le remettre. Tac. Je me rappelle pas ce qu'il faut comme autre compo. C'est ici. Voilà, le module est juste là. Aérogel x2, lingot de plasticier. L'aérogel x2, du coup va nous falloir récupérer un sixième. Je crois que mes comptes sont bons, hein. Si pas de bêtises. Deux lingots de plasticier, on fait le troisième. Deux, tac. Ça va vite, hein? D'accord, on a toutes tes compos, c'est trop bien. Tu te prends plus la tête sur le craft, c'est un plaisir. C'est un plaisir de crafter quand t'as tout ce qu'il faut, quoi. La seule compo qui me manque en fait c'est le plomb. Mais là il me tarde vraiment de trouver un spot à plomb. J'espère qu'on en trouvera un, hein. À mon avis je pense que le plomb on va le trouver en profondeur. Voilà, on peut faire 3 modules pour se téléporter. Alors attends. Le problème c'est que... Je sais pas si c'est où, là, il y a un truc. Ben... Ah c'est juste là, ok cool. Comment ça c'est que ça s'est déplacé là? C'est moi qui l'ai installé ici? Ah oui, c'est moi qui l'ai mis là comme un boulet sur le bord. Ah, ah ça doit être ça, ouais. Tac, un module de téléportation. Pourquoi un spot à plomb quand tu as une salle de scanner et un HUD intégré? Parce que en vrai ça fait mal au crâne en fait. Ça fait mal au crâne en fait d'activer le scanner. Mais laisse tomber, moi je l'utilise pas. Hein. Si t'as vu, ça te met des trucs partout, c'est juste impossible. Tu perds tellement d'FPS et c'est illisible. Je trouve que c'est hyper désagréable. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Paulette? Par rapport à ça, Subnautica Bello Zero, la salle de scanner, il y a un souci, du coup ça affiche trop de trucs en même temps. Et ça affiche tellement d'informations que ça en devient désagréable en fait, la salle de scanner. Must be constructed in...
Oh, justement, je vais les empiler. C'est pas drôle, hein. Je vais justement les empiler. Matsune ! Monsieur Matsune ! Ça roule ou quoi, poulet ? Tu vas bien ? Tu dois être 3 pour la sortie de Genesis 2, non, poulet ? Toujours en ce moment sur Valheim ou pas ? T'es sur quel jeu en ce moment, poulet ? Le site de rapatriement, le problème, c'est qu'il fait des cubes ioniques. De quoi ? Il faut des cubes ioniques à chaque fois que tu utilises l'outil de rapatriement ? Non, me dis pas ça, c'est pas vrai. J'espère pas. Ça va être le bordel sinon. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va laisser donc un module ici. On va tester du coup, voir comment ça fonctionne. Voir un petit peu comment fonctionne la téléportation. Varg, il est l'heure de sauvegarder avant de tout perdre. Oui, on va sauvegarder avant, ouais, effectivement, ouais. Pas à chaque fois, mais c'est limité. Ok, d'accord. Faut faire gaffe, quoi. Tellement simple de gérer ça. Tu peux gérer ta gargaison vraiment comme tu veux, c'est bien foutu. Ok. Donc, la salle de téléportation se trouve ici. Il faut que les autres se connectent aussi, c'est ça? Attends, il faut que je fasse un autre aquatracteur, c'est ça? Que ce soit connecté et comme ça, moi je peux me téléporter d'un point A à un point B, c'est ça? Et c'est l'objet qui se téléporte. Et c'est justement ce que je vais essayer. Varg, qui n'a toujours pas lu les notes du PDA. Mais si, j'ai lu les notes par rapport à l'objet. Non ? Bah regarde, j'ai plus aucune note. Technologie. Véhicule. Module de stockage, fabrication, amarrage, espace de recharge, module lit. Il n'y a même pas le truc dedans. Bah tiens. Ah oui, je dois utiliser l'outil machin chouette. Ok. Oui, l'outil que j'ai crafté. D'accord. Je suppose que tu te mets dans la salle. Ah, après, ça aurait pas été déconnant qu'au final tu sois obligé également de faire. Ça me semble pas déconnant que tu sois obligé derrière du coup de faire un autre véhicule, tu vois, pour qu'il soit alimenté en énergie et tout. Ça semble pas déconnant. Après, tu me diras, tu utilises de l'énergie véhicule bionique, donc
Ouais. Ok, bon, on va faire un test du coup pour voir. Hein. Incroyable. Incroyable, c'est super, c'est cool. Je suis content d'avoir utilisé des compos pour ça. C'est cool. Non, j'ai rien compris en vrai. J'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire un test. Je vais voir si je. C'est la radio. Ah putain, ça a consommé une partie du cube ionique. Ok. Ouais, ça consomme le cube ionique, putain. Mince. Pourquoi c'était fait là où tu es déjà? Faire un module lit, c'est mieux que ce truc. Je comprends pas quand t'es. Comment tu fais pour te téléporter en fait? Tu dois viser la zone où tu veux aller? Pourquoi je me suis téléporté sur place? C'est ça la question. Dans le nom de l'objet, il y a écrit rapatriement. À quel moment je vais partir sur mon véhicule en fait? Le truc que je comprends pas en fait, c'est. Le truc que je dois zapper en fait. À quoi ça sert du coup dans ces cas-là? C'est en fait, si tu pars en mission, tu vas partir avec ton véhicule. Quoi qu'il arrive, tu vas partir avec ce véhicule. Parce que t'as ton prone, t'as tout ce que tu veux dedans. Le but c'est de laisser un module ici. Pour te téléporter ici. Non mais. En fait, je vois pas l'intérêt en fait d'utiliser ça. Ça m'échappe pour l'instant, je comprends pas. Je comprendrai peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant je vois pas l'intérêt en vrai du coup. Si en fait. Quand je me téléporte dans mon véhicule obligatoirement, vu que je vais naviguer avec, de toute manière, quel intérêt? C'est ça le truc, je comprends pas. C'est quel intérêt du coup? Parce que tu es déjà dans le seul module qui marche. Sur terre au loin et que tu es sur le point de mourir, tu dois back rapidement parce que ton inventaire est plein, etc. Ah ok, j'ai compris. C'est à dire qu'en fait ça tu peux te téléporter quoi qu'il arrive n'importe où, t'as pas besoin d'être dans. Donc en fait j'ai fait 50 milliards de trucs pour rien en fait. Super, ça fait tout ça pour rien. Moi je pensais en fait que tu vois c'était des téléporteurs et que tu pouvais te téléporter dans celui-là, ça me semblait pas déconnant tu vois. C'est tu te téléportais de là à là et tu pouvais choisir l'endroit où tu te téléportais. D'accord, ouais en fait bah si j'avais su ça avant en vrai j'aurais peut-être même pas fait le truc parce que je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer souvent? Si je suis pas dans mon véhicule là, je suis dans mon prone. Et inversement, je vais rarement utiliser mon Siglide. Et si j'utilise mon Siglide, je ne serai jamais trop loin de mon véhicule, tu vois. C'est pour ça, en fait. Même dans l'eau, si tu as plus d'oxygène, par exemple. Ouais, mais ça arrive très rarement. Ça arrive vraiment super rarement, tu vois, que tu as plus d'oxygène. En fait, t'es dans ton prone régulièrement. Si tu vas explorer des zones vraiment en profondeur, tu seras dans ton prone. Donc d'ailleurs, si tu utilises cet outil pour te téléporter, tu vas abandonner ton prone. Du coup, en vrai, ça pour moi, en fait, avec ma manière de jouer, ça servira à rien. C'est du gaspillage. Si t'as pas le prone, par contre, et que t'es en mode. Oui, en fait, au début, ça peut être worse, effectivement. Si t'as pas le prone, si t'as rien, si tu veux prendre des risques, explorer super loin, du coup, et prendre vraiment des risques, avec la non-possibilité, du coup, de back, là, ça servira. On est d'accord. Le problème, c'est que t'as pas accès à cette technologie au début du jeu. Et c'est au début du jeu qu'elle servira le plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le premier objet que j'ai cherché du jeu. Parce qu'au début, t'as pas ça. Ouais, j'avoue que si tu l'as au début, c'est worse. Effectivement. Mais en vrai, là, à mon stade du jeu, ça sert à que dalle. C'est du gaspillage en vrai.
Mais ah mais c'est inutile, on est d'accord. Ah mais totalement. Ah mais ça sert à rien, je vais virer ça, ça sert à rien. Ça va pas rester du coup de la place sur mon véhicule. Bah au moins on sait à quoi ça sert maintenant. Hein, on sait que ça sert à rien du coup à notre stade du jeu quoi. Est-ce qu'il y a moyen de gruger pour pouvoir récupérer de la batterie sur ces cubes ioniques? Je suis sûr qu'on a la possibilité de recharger un cube ionique. On va essayer, on va faire le test. Y'a moyen ou pas de recharger un cube ionique? Il est passé où d'ailleurs? Je suis sûr qu'il y a moyen. Alors attendez, voyons voir. Je veux faire une pile par exemple. Voilà, les piles sont là, ok? Il faut un cube ionique, de l'or, minerai d'argent, lithium. Ça marche. Le cube ionique, je l'ai. Je veux de l'or. Je veux de l'argent. Le but, ça va être en fait, pour recharger le cube ionique, pour tenter de le recharger, c'est pas sûr qu'on puisse. De prendre ce cube ionique, du coup, qui a été usé, et de s'en servir pour faire une pile. Voilà, là, je fais la fameuse pile. La pile devrait être déchargée normalement. Non, elle n'est pas déchargée, elle est à 100%. Merde. Je l'ai converti en pile. Quoi qu'il arrive, la pile, elle est indestructible. Hein. On peut la recharger, etc. Si maintenant je fais ça, j'ai rechargé mon cube ionique à 100%. Du coup, ouais, on peut utiliser les cubes, on peut recharger les cubes ioniques comme ça. Tu fais une pile avec, en fait. Ton cube ionique, il est déchargé. Je sais pas s'il y a d'autres moyens de le recharger, j'en ai aucune idée. Hein. Dans mon stade de jeu, je sais pas. En tout cas, là, on a trouvé une strat pour pouvoir recharger le cube ionique. Tu convertis ton cube ionique, tu fais une pile avec, et tu peux donc recharger ton cube ionique. Trop bien. Trop cool. Je sais pas si vous saviez ça, les amis. Il a cassé le jeu. Bah, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, tu vois, pour recharger un cube ionique. C'est... Y a peut-être un truc à faire, tu vois, qui marcherait, je le sais, avec la pile. Moi, en fait, là, ce que je me suis dit, c'est que tu utilises ton cube ionique qui est déchargé, il est seulement à 2/3 du coup de batterie, dans l'idée. En le transformant en pile, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ta pile, elle sera pas à 500% de batterie, elle sera seulement, du coup, à 300, dans l'idée. En la rechargeant, ça recharge le cube ionique au passage. Non, pas du tout. Tu l'as construit, ensuite tu la recycles, et hop, ton cube, il est à 100%. Nice! Hop, mec! Ah bah voilà, petite strat, du coup. On va même en faire un tuto, hein, comment recharger ton cube ionique sans stress. Voilà, on a trouvé la strat. Bon allez, on va du coup se débarrasser de tout ça, hein. Prendre beaucoup de place dans notre inventaire, tac. Du titium. Du titane. J'ai mes éléments de base, c'est cool. Si tu recycles une pile ionique vide, ça fait quoi? C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Il faudrait qu'on en ait une vide, mais j'en ai pas de vide, mon poulet. On fera le test, un de ces quatre. En vrai, tu recycles la pile ionique vide, à mon avis. Tu récupères les compos normales. Tu recraftes ta pile ionique. Tu récupères une pile neuve. C'est cité, hein. Ça en fait, t'en as même plus besoin finalement. Tu recycles, tu recraftes, tu recycles, tu recraftes. Le chargeur il sert à rien. Pareil pour ça. Hein.
C'est on fera le test dès qu'on devra recharger des batteries. Tu recycles ta batterie, tu la recraftes, je suis sûr qu'elle est à 100%. Du coup, les chargeurs, en fait, ça te compte de l'énergie pour rien, tu peux t'en passer maintenant. On va les laisser l'histoire d'eux, voilà quoi. Il y a le côté réaliste du jeu, mais ouais. Il y a la même technique pour les plantes. Tu tapes deux fois, tu as deux graines, tu récupères la plante et tu la replantes et tu reprends des graines à l'infini. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait, ça, Axel, pour... regarde. Pour les sacs gélatineux, effectivement, tu tapes deux fois, tu récupères deux graines, tu récupères le sac parce que si tu tapes la troisième fois, en fait, tu vas détruire la plante. Et donc, ça te permet donc d'avoir des plantes à l'infini, c'est trop bien. Exactement, ouais, GG poulet. Il n'y a qu'avec les champis que tu peux pas le faire. Ah, avec ces champis là, tu peux. J'ai rien dit. Mais avec les champis abyssol, tu peux pas normalement, tu sais, dans Subnautica 1. C'est pas possible. Tu tapais sur un champignon abyssol, ça te donnait directement 3 graines. Voilà, bon alors, jusqu'à. Bon, là, pour l'instant, donc, on est au même stade. Hein. On est plus ou moins dans l'inconnu. Je sais pas où je dois aller. Ça, c'est le spot du coup pour le quartz. Un spot intéressant. Lost River, rouge, ok, ça marche. Donc on va désactiver Lost River et rouge. Parce que pour l'instant, bah. Le module de l'aquatracteur à LED. Pourquoi j'ai fait ces conneries? Oh là là. Ah, ce bordel que j'ai mis dans ma base avec ces trucs là. Eh, mon biome était beau là et maintenant il ressemble plus à rien avec ce truc. Go faire le réacteur là. La flemme en vrai, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas de plan. Et j'ai trop la flemme d'aller en chercher. Je voulais faire un réacteur nucléaire, mais juste parce que j'ai pas de plan, j'ai trop la flemme d'aller en chercher. Je suis désolé. Ça aurait été tellement bien d'avoir le recyclotron dans ce Subnautica 1. Mais tellement, mais grave, ce recycleur là, il aurait été insane dans le 1. C'est clair, c'est clair. Réfléchissons. On va se faire déjà une petite réserve d'eau avant de décoller pour notre prochaine mission. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? New creature discovered. Arrêtez de retourner là-bas, putain! Mais merde! Je les relâche et ils foncent directement sur la quoi, putain, les gars! Je vous libère! Hein? C'est pas vrai, quoi! C'est le point d'interrogation, je sais pas où elle est. Tac. Une bouteille d'eau. Il me faudrait quelques pochons, ça serait cool. On en trouvera sur la route, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. On va décoller tout de suite, écoutez les amis. Hein. Voilà. Ah, on va peut-être vider par contre nos ressources. On a récupéré quand même pas mal de choses sur. On a récupéré pas mal d'or, pas mal de diamants. On va les déposer dans la base. De la magnétite aussi un petit peu. Ouais. Elle veut créature non identifiée. Il me semble que c'est tout. On n'a pas récupéré tant de trucs que ça. Allons-y, déposons ça et on repart. Ça met des trucs partout. Si tu attends que le scanner est scanné pendant longtemps, si tu plonges dès le début du scan, c'est plus clean. Oui, c'est vrai, il faut. Oui, oui, si tu le fais plus tard, ouais, c'est... par contre, c'est pénible, ça fait mal au crâne, t'as des informations partout, c'est. C'est juste horrible. C'est pas gérable. Il me tarde d'avoir la possibilité de faire les aquariums là du coup pour pouvoir faire éclore les poissons là. Du coup pouvoir faire un petit élevage. Ah hein, on va du coup pouvoir faire éclore les œufs. Hein, on va avoir quelques petits poissons à étudier, c'est cool. Je sais plus comment on appelle ça. C'est des salles de. Mais je peux peut-être déjà le faire, tu me diras. Attends, voyons voir. Hein. Module extérieur. On n'a pas la possibilité de le faire déjà, tant d'y faire. C'est des unités de confinement, ça y est, ça m'est revenu. Unité de confinement. Et non.
On n'a pas encore appris cette technologie là, malheureusement. Vous avez vu, l'argent ça part vite quand même, hein. Bon ça va, j'ai encore une petite réserve en bas, c'est cool. Mais quand tu commences à crafter 2-3 trucs, à coup d'un kit de câblage par ici et un kit de câblage par là, putain, l'air de rien ça part vite, hein. Donc c'est bien qu'on ait fait une petite réserve, c'est cool. C'est plutôt cool. Gros point d'interrogation sur notre destination. On part en exploration, tout simplement. Voilà, c'est exploration découverte. Partons dans une zone que je n'ai pas encore explorée, si possible. On est souvent amené à aller en sud-sud-est. J'ai pas eu souvent l'occasion d'aller nord-est, par là-bas. Ouais, c'est une zone où je suis presque jamais allé. Mais je pense que là-bas, c'est la... Dans cette direction, à mon avis, on va trouver le biome des méduses, peut-être. Peut-être une zone incroyable qu'on a encore jamais explorée. Donc allons-y. Entre nord-est et est, let's go. C'est parti. Putain, c'est cool, regardez. Je suis en train d'utiliser le boost depuis tout à l'heure et ça consomme quasiment rien en énergie, c'est super agréable. A chaque fois que tu utilises le boost avec des batteries classiques, avec des batteries traditionnelles, qu'est-ce qui se passe? Tu perds 2%. Voilà, je viens de perdre mon premier pourcentage seulement après le troisième boost. Super agréable, zéro stress du coup. Du coup pour grignoter à l'air de repos, si on peut appeler ça une aire de repos. À mon avis, je peux pas aller plus loin ici. Est-ce qu'on peut contourner? En vrai, j'espère pas que j'ai exploré tous les biomes déjà, franchement. En vrai, je serais tellement déçu si j'avais déjà tout exploré. Je suis coincé, je peux pas aller dans cette direction là. Là c'est vraiment la banquise, ok. D'ailleurs il doit y avoir la zone morte à mon avis. Donc il y a rien à explorer par ici en fait. T'es déjà rendu à 1000 mètres de profondeur? Oui, j'y suis allé, ouais. Y a pas grand chose. C'est beau, hein. C'est beau, mais tu fais vite le tour. Vite le tour en fait à 1000 mètres de profondeur, t'as le fameux Léviathan du coup sombre qui t'attaque. Je crois que c'est du plomb. Non, c'est du titane. Ouais, c'est du titane. C'est quoi le but du jeu? Actuellement, je suis échoué sur une planète. Et ton but c'est de survivre, découvrir du coup de nouveaux biomes, découvrir du coup de nouvelles technologies du coup pour pouvoir aller encore plus en profondeur, pour te déplacer avec des véhicules différents et tout. Il y a aussi une partie de l'or. Je ne dis pas plus pour pas non plus trop spoil si jamais tu comptes te mettre à jouer au jeu, tu vois. Un truc là.
Ouais, je sens que je vais me rapprocher de la zone morte. J'ai cru que c'était une espèce inconnue. Non, c'était juste un poisson boomerang et avec les phares, du coup, il avait une couleur différente. Fausse joie. Fausse joie. On est arrivé au bout là, je crois. C'est la zone morte ici. Il y a l'air d'y avoir un fond quand même. Ah putain! Mais ouais, mais je sais qu'il y a ça, putain! Va-t'en vite! Pourquoi je suis terrorisé comme ça là, sans déconner? Va-t'en! Laisse-moi tranquille, putain! Laisse-moi tranquille! À l'aide! T'es déjà allé dans la zone morte? Oui! Oh non, regarde, tu vois! On vient d'aller vite fait là! Y a un gros machin là! Y'a un gros machin qui veut pas qu'on s'échappe. C'est du titane ça aussi hein. C'est du titane c'est sûr, mais j'ai quand même envie de vérifier, j'ai un doute. Tu commences à avoir un joli petit train. Merci Paul hein. Ouais t'as vu ça. Écoutez, on va longer du coup cette la zone morte. On va peut-être tomber sur un biome qu'on n'a pas encore découvert. Hein. Je suis pas venu pour souffrir, ok. Encore du titane. Elle ressemble à quoi la créature de la zone morte? Ça va être rapide. Hein. Oh putain, je sais pas par où elle arrive en plus. Ça va être violent, attention. Il est où ? Ah putain, je te vois pas, t'es où ? Allez, on y est presque. Fait mal hein. Waouh.